un truc qu'il faut que je te dise. Ah. Je sais, tu m'en veux encore. Non. Difficile de rester fâché contre toi, Mike Delfino. Et je crois que j'ai compris pourquoi. Oui, j'ai fini par comprendre ce que j'ai trouvé d'exceptionnel en toi et ce qui fait que j'ai immédiatement craqué dès notre première rencontre. Ma beauté virile, certainement. Non. Mais ça compte aussi. Alors, dis-moi ce que c'est. T'as peur de rien. Moi ? Non, non, c'est faux. Ah, si, je sais ce que je dis, t'as peur de rien. C'est tout de suite ce qu'on ressent quand on te voit. Parce que t'es attentif aux autres, t'es gentil avec tout le monde. Pourquoi t'es comme ça ? Peut-être parce que mon père frappait régulièrement ma mère quand j'étais petit. J'entendais ce qui se passait. J'avais 10 ans, et à 10 ans, on est totalement impuissant. Alors, je sais pas, peut-être que ça vient de là. Mais je suis comme ça. Quand les gens autour de moi ont des problèmes, j'essaye au moins de les aider. Mais il y a un truc dont j'ai vraiment peur. Je suis très inquiet par rapport à mon attitude. Comme je ne suis pas le type le plus expressif du monde, je me demande si tu sais vraiment à quel point je t'aime. Rassure-toi. Ça, je le sais. T'avais pas dit que tu réparerais la palissade cet après-midi ? Oh, demain. Oh, demain. Eh ? J'ai oublié de te dire. Delfino ! Nous avons tendance à oublier que la vie est un cadeau fragile. Si seulement on pouvait changer le cours du temps. Mike Delfino, je suis le nouveau locataire de la maison juste à côté. Suzanne Mayer, j'habite en face. Bonjour, ça va ? La porte a claqué. Je suis toute nue. Comment allez-vous ? Je ne t'avais jamais vue aussi belle, Suzanne. Tu vas être papa. Oh. Mike. En une fraction de seconde. Le cadeau s'est envolé. Mike ! Mike ! Mike ! Non ! Non ! Mike ! Non ! Non ! Non !